Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 Tepouding and Camembert avec le signe noir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et donc on reprend après deux épisodes dignes d'un moyen métrage. Oui, on va essayer de faire plus court pour celui-là, on s'est mis d'accord. Ouais, on s'est dit, voilà. Bon après, comme on se disait aussi, hein, c'est que maintenant il n'y a plus que les puristes hein, de toute façon qui sont là, c'est pas pour les vues. Hein. Oui. C'est jamais pour les vues, mais là encore moins. Pour le coup. C'est vrai qu'on veut, terminer là, il y a quand même moyen là, D'aller jusqu'au de bout. De se débrouiller pour aller jusqu'au bout. Ouais. Ça écrase, voilà, donc ça fait plaisir. Et bah donc, on est reparti, on va pas tarder de mettre fin à cette guerre, hein, de toute façon, là on est sur la fin. Clairement. Hop là. J'enlève la pause du coup. Je te laisse terminer tes paix si tu veux. Ouais, c'est ce que j'étais en train de faire. Alors avec Geldre. Donc Geldre, on peut pas non plus tout prendre, hein. Je peux pas le vassaliser. Ah, ouais. Tu peux pas tout prendre. Non. Largement pas, non. Ah ouais. Eh ben non. Je pensais pas qu'il était aussi vénère. Faut dire qu'on a pas trop de revendications, donc ça coûte cher en fait. Ah oui. Je pense, hein. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas... Je mets Diplomatic Gland. On va commencer à les envoyer... T'avais pris quoi? T'avais pris une conquête ou t'avais pris un impérialisme? T'as pris un impérialisme, non? Conquête. Non, je crois que j'ai pris conquête. Ah bah non, faut prendre impérialisme, ouais. C'est 75% c'est de vrai. Coup. C'est vrai, j'étais con. Tu as raison. Enfin, remarque, c'est que sur celui que t'as attaqué. Je crois que comme t'as attaqué le Rennes, ça jouerait pas des masses, mais... Ouais, c'est vrai. Mais bon, j'ai pas bien pensé. Bon, cela dit, même si on lui prend pas tout... Hop, ça permet déjà de te relier. Ça lui laisse une petite tâche encore, mais ça va. Nous avons dangereusement dépassé nos capacités d'expansion. Ah ouais, 134 ouais, la légitimation du truc, putain, ça pique. On est à 95%, alors, ça va. Alors, maintenant, on va dégager Portugal. Alors, donc j'avais demandé, moi, si je voulais prendre ces deux trucs-là. La vache, Portugal, il avait 110 000 hommes, là. Et je retourne voir, il n'y a plus rien, il y a 4000 hommes qui traînent, ils sont fait dépouiller. Oh la violence. Oui. Ah oui, alors par exemple, tout ce... je peux pas relier tes trucs parce que les flammes de Chobiti ou Nikubas refusent en fait. Ah oui, parce que c'est occupé par eux. Alors attends, je vais les prendre, pour moi. Ah bah c'est si du rouge peux, là, j'avais pas vu qu'effectivement il avait vas-y, pris des trucs. Fait... Tu veux, récupère ceux qui t'ont donné à toi et Ah, il y en avait. C'est où alors? Qu'est-ce qu'on m'a donné? Ah, tout ça là? Tout ce qui est en ah bas, oui. Ouais, tout ce qui est au sud. Grande-Bretagne. Je sais, okay, Grande-Bretagne. Hop. Grande-Bretagne. Comme ça, le jeu calculera tout seul à qui c'est censé aller. Pas besoin de se faire chier. C'est ça. Merde, j'en ai donné à la Norvège. Quel con. Eh bah écoute, tu prendras pas celui-là. Non mais de toute façon, on aurait pas. Je pense pas qu'on serait descendu jusqu'à là, honnêtement. Ouais, je pense pas non plus. En plus, il y a des capitales à prendre et tout. Bon, il manque vraiment un bouton pour dire tout ce territoire-là, tu le donnes à lui, parce que un par un, pff, l'enfer. Ouais, un par un, c'est un peu long. Et puis ça fait du misclic. Non, ça n'arrivait à personne, ça. Non. Bon, bah, c'est ouais, bah tu vois, c'est pas tant que ça non plus. Hein. Bon, bah, c'est toute la prendre, partie. Hein. Ouais, ça va pas être énorme. Je peux, mais au moins. Je peux garder, hein, ça se trouve. Je peux peut-être faire une paix séparée, me gaver. Je vais essayer de récupérer. Ah bah vas-y. Je vais récupérer un diplomate, parce que j'en ai vas-y, pas. Vas-y, en attendant, je vais faire ma paix avec. Je vais dégager l'Autriche. Normalement, je t'ai filé tout ce que j'avais pris en Autriche si tu veux te faire plaisir, mais. Ouais, bon, ça va être un petit peu quoi. Ah ouais, putain, mais il râle même pas quoi, enfin, il me laisse bien me gaver aussi, hein, si je veux. Allez, je vais prendre tout ça en Autriche. Putain, il est loin ce diplomate là. Ça va me coûter un bras, hein, mais. Je vais avoir des rébellions pagailles. Allez. Les capacités d'expansion, tout ça. Oui, bah voilà, ça déborde un peu. Le pays est en oui, guerre. Tu...
Tu vas avoir des milliers de rébellions, tout ça. Ça tombe bien, j'avais plus rien à convertir en religion. Le mec glandé. Allez, deux voilà, jours. Ça voilà, ça y est, il est arrivé. Alors, le Portugal. Boum, Portugal. Non, ni nous ni ce pays ne sommes meneurs, donc on ne peut pas demander de paix séparée. C'est bien, bien ce non, que mais je bon, me disais. Ça va déjà être pas mal. Hein. Enfin, pas mal. Faut dire, parce que je vais prendre les deux derniers territoires qu'il y a là en Europe. Et du coup, après, ça va relier au moins. Tu vas voir que ça va tout va être relié au nord. Ouais, bah, pas de soucis. Hein. Et je peux même prendre ça en plus. Ah non, ça il veut pas. Ah bah attends, mais du coup, il veut plus maintenant. Bah remarque, oui, on est descendu à 96% là, donc. Ah merde. Ouais, il veut plus. Merde. On va aller s'occuper de défoncer, genre, les petites îles de la con là. Ouais, bah faut attendre un petit peu du coup. Et on va aller assiéger. Ça, c'est au Portugal aussi. Bah du coup j'enlève la pause. Ouais parce que c'est vrai qu'il lui reste des petites colonies à droite à gauche au Portugal. Il passe si à poil hein. Non et puis j'avais pris des trucs en Afrique, il allait les dessiéger donc je vais y retourner. Putain ça lag moitié là. Je sais pas ce qu'à mon... Dès que je commence à bouger un peu il y a un moment où ça saccade à mort. Je suis désolé pour les viewers. J'ai même la Russie qui a rejoint une coalition contre moi. Ah ouais, alors là ça peut péter par contre. Ça peut légèrement partir en sucette. Bon, on a confiance. Je suis bien à 30 FPS, ouais, je perds pas des FPS, c'est le jeu qui lag, bon bah E4 lag, voilà. Ça arrive. Non mais c'est complètement débile ça, pourquoi qu'est-ce qu'il fout? Ouais, mon PC il fait rien quoi. Il fait 20% du CPU. Ouais mais des fois je soupçonne U4 d'agir un peu étrangement. Ouais parce que là c'est un peu insupportable quand même. Faut dire ce qui est. C'est un petit peu l'horreur quoi. C'est-à-dire que chaque seconde il y a un lag d'une seconde quoi. C'est bien ça. C'est marrant, je le ressens pas du tout par contre moi en tant que... Ah non, je pense que c'est purement graphique, hein, parce que même le record il est à 30 fps, il y a aucun lag, que dalle, je sais pas ce qui branle. Mais c'est hyper désagréable. En plus on voit bien que derrière ça se passe tranquille, hein, parce que... Les pop-up arrivent à la bonne vitesse, aucun problème. Mais alors par contre, ouais, non, mais putain, j'arrive même pas à faire un carré de sélection, quoi. Quel fuck. Il y a des bateaux améliorés ici. Et boum, on améliore. Alors, voilà, on a débarqué à Madère. Ça c'est fait. Putain, là, il y a la Norvège qui est en train de débarquer. Attends, c'est remonté à 99%, Afrique, donc... non, il veut toujours pas, hein. Parce que, ah oui, bah avec lui on est toujours à quoi? John Austin. Moi, ça... Les exigences sont supérieures au score de guerre. Alors attends, si je prends ça, il veut bien. Peut-être les deux territoires que je veux prendre chez lui qui lui vont pas. Ouais, c'est parce que je veux prendre sa capitale, donc forcément. Ah. Capitale, il veut pas. Là, il fait la gueule. Je sais même pas si on pourrait y arriver au truc, parce qu'on est quand même à moins 217. À quel moment... à quel moment ouais, t'arrives tes victoires bateau là tu... Faut ma gueule. Sinon je laisse tomber celui-là, hein. Je laisse un territoire, c'est pas grave. Hein. Bah on lève des colonies, hein. Boot-le hors de l'Europe, c'est bon. Ouais, ouf. Par contre, franchement, je pense que c'est un regardable pour les viewers là. Ah ouais? Mince. Bah, ouais, non, ça se calme pas. Horrible, quoi. Ah ouais, non, c'est complètement horrible quoi. Bah, je pense qu'on va couper là. Ouais. Et puis je vais faire un petit montage. Hein. Désolé, allez, le montage qui va bien. Hop. Préfet.
Hop là, et nouveau là, de route. Oh, attends, ah bah, on fait tous les deux. Ah ouais, non mais non mais la perturbé par le what the fuck là. Vas-y, vas-y. C'est pas grave. Non, c'était à toi, c'était toi, c'est toi qui étais bugué après tout. Ouais, mais on se retrouve en tout cas bah du coup pour la suite là du. Parce que ça foutait. De toute façon, t'étais en train de faire ta paix, donc au pire, c'était tranquille. Hein. Et là, ça lag plus. Ouais, on a rien fait. Hein. Franchement, j'ai coupé le record, relancé le record et ça laguait plus. Oh, parfait. Hop, le Portugal, c'est fait. Alors, regardons un peu ça. Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai pu, hein, parce que c'était vraiment pas simple. Hein. Ah oui, ouais, bah c'est pas mal. Hein. Au moins, on va pouvoir se déplacer. Les colonies vont pouvoir venir filer des coups de main plus facilement pour les guerres, là. C'est ça. Ah oui, c'est bien, ça va être bien. La prochaine fois, on pourra le finir à la main comme ça. Hop, on se replie là. Et puis reste la Lorraine. Je vais voir si je peux pas la. Éventuellement la vassaliser, oui. Puis je l'aspirerai, mais. Mais non, mais ça relague. Mais sérieux? Ah merde! Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est parce que c'est dès que t'enregistres, ouais, bah, je vais relancer le jeu du pourtant, coup. Pourtant là, ça fait déjà 2 minutes qu'on enregistre quasiment et. Non, bah ça lag plus. Alors là. Mouais. Moi je dis qu'il bluffe. On va prendre un diplomate supplémentaire pour la peine. Bon bah voilà, fin de la guerre. Normandie nous doit 11 points de faveur. Et ouais, Normandie c'est comme ça. Ça va partir en sucette. Alors du coup, tu disais qu'il y avait la Russie qui était rentrée en coalition contre toi. Ouais, je suis à 225% de surexpansion. Oups. Merde. Corruption en hausse. Ouais, alors la corruption... Ah bah oui, la corruption ça va gueuler, hein, ça c'est normal. Nous, moi ça va, je suis que à 95 de surexpansion et c'est déjà en train de se terminer là. C'est en train de se faire moi, mais de se... Hop, allez la flotte de Palou, c'est parti. Et je suis prêt pour aller taper sur le Majapahit si jamais on voulait. Sachant qu'il est quand même allié au Vijayanagar, faut faire attention. Qui c'est qui est pas content? Les flammes de Shobiki sont pas contents. Bah dis donc. On a 100 de prestige, on va leur claquer un petit peu de... Les Ottomans aussi rejoignent la coalition contre moi, et ça y est, ça pète de partout. Ah oui, bon, Ottomans petites... et Russie. Là, il y a moyen qu'ils fassent un peu la gueule par contre. Effectivement, ce fort là, il sert à quelque chose. Faut level 2, c'est bon, casse-toi. On a déjà de quoi immobiliser pas mal de monde un peu partout. Mais les états qui nous restent, c'est pas très intéressant. Par contre, on va peut-être pouvoir commencer à faire des bâtiments, faut qu'on légitime d'abord. Au niveau des forts, on est bien entendu qu'on est à 8 partout, hein. Oui. Ici aussi, oui. 8, 8 et 8. Bon, là on paralyse un peu les gens qui voudraient foutre la merde. On pourrait en construire un de plus ici, là, pour empêcher l'Espagne de se pointer trop facilement. Ah non, c'est plein. C'est combien ce niveau de déploiement là? Allez, c'est 10 maintenant. Un petit fort, boum, voilà. Bon, nous la coalition, les gens ils rentrent, ils sortent en permanence quoi. Alors, là, on s'entraîne. Ici, on s'entraîne. Et ici. On s'entraîne aussi, c'est parti. Alors on a des gens qui prennent de l'attrition, ils sont dans les bateaux, oui. Vous, vous allez rentrer à Londres. On sait que c'est pas mal d'avoir une petite armée qui traîne, si genre il y a des prétendants qui font les malins. Ici on va faire quelques galères supplémentaires, parce qu'il y a quand même de la mer intérieure dans le coin. Mais oui, mais les 100 ducats pour les marchands locaux, il n'y a pas de problème, les gars. Prenez, prenez, prenez. Alors, est-ce qu'on attend de voir s'il y a une coalition qui pète ou pas? Qu'est-ce que t'en penses?
Bonne question. Sinon, moi j'irais bien taper un petit peu sur le Maljapahit. Parce qu'après tout, pourquoi pas. Alors, j'avais mis des revendications en cours. On va prendre ce truc-là. Et ensuite... ce truc-là. Voilà. Alors ici, on... ah merde, attends, je me pose parce que j'ai été repéré, donc avant que les trucs ne descendent... non, là j'ai une revendication sur ça qu'il me faut, voilà. Boum, tu reviens. Toi, tu reviens. Et toi, une revendication sur ça. Et après, tu reviens. Voilà, c'est parti. Hop là. Ivoire de qualité, 20 de prestige. Et bah parfait. On en a partout des bâtiments de ce genre là. Ah, il y a des endroits où on peut pas les construire parce que c'est plein. Hein. Il faudrait déjà que j'en fasse partout là, si possible. Tiens, bah là. Hop. Ça pète de partout. Ah merde. Ça se débloque au niveau 30. Zout. Zout, zout, zout. Les colons là. Reviens là, toi. Pète de partout, mais voilà. Ici. Mais on gère quand même. Ils sont où nos colons? Ah putain, comment je fais pour savoir où sont mes colons? Drame. Je crois que j'en avais envoyé un là. Ouais. Bah ici, tu vas continuer. Ouais. Encore deux. La révolte du livre de la prière commune. Tes souhaits. Contrée de Mittelmark, c'est où ça? Un truc qu'on n'a pas converti. On n'a pas encore une rébellion en Corse, c'est chiant d'aller en Corse. Boum. Soulevez-vous, puis mourrez. Bah des fois faut relâcher l'autonomie, hein. Comme ça au moins ils font moins la gueule. Hein. C'est vrai. Toi, j'aime bien résister aux rébellions. Ah bah après, faut pas te plaindre du coup. Ah non, je me plains pas. C'est juste chiant quand c'est sur les îles, c'est tout. Mais bon, je suis en train de m'en occuper déjà. Alors on va reprendre ça, hop. Ici, Lancaster, c'est niveau 10. Donc on va récupérer toi et on va t'envoyer là, dans Kenshire. C'est parti. Nos unités ont subi des pertes, on s'est toujours parmi. Eh B. Ah bah non, ça suite à la révolte. Je suis en train de prendre une bataille là. Ouf. Ouais, j'ai perdu une armée. Une armée? Ah oui, ouais, t'as du monde des qui pète, putain. Ah bah oui, ça arrête pas, hein, je... Ah, partout, ça n'arrête pas. Ah oui, t'es retapé une grosse surexpansion, c'est ça? Bah, 240, ouais. Pour ça. Pardon. Je suis redescendu en dessous des 200, là, ça y est, c'est en train de voilà, je suis plus qu'à 193%, ça va aller. Oh la vache, quoi. Ouais, ouf. Bah écoute, moi je vais. Dans ce cas-là, on n'est pas prêt de relancer une guerre, hein, je pense, donc je vais aller m'occuper du Maljapahit. Hein. Ah bah moi, là tout de suite, non, là je vais me calmer un tout petit peu, juste le temps de stabiliser tout ça. Voilà. Quelques années, quoi. Voilà. Ça va aller. Hein. Armée de l'Irlande, toi tu viens. Tu peux sûrement pas être utile en armée d'Irlande. Donc ici, on a un commandant.
la première armée, bon, elle va pas avoir besoin de commandant pour l'instant, c'est pas un problème. Hop, on va foutre une flotte là. Une flotte là-bas pour se préparer. Et c'est parti. Majapahit, c'est la guerre. Impérialisme, boum, en avant. Bataille navale terminée, ben oui je veux, ouais. Donc ici on va pour l'instant se contenter de tenir, non on va avancer. Voilà, un peu de chocolat, ça baisse l'agitation dans le pays, ça me va. Norvège a rejoint la coalition contre nous, dis donc. Et donc il y a une belle flotte là. Ah non, ils se sont repliés finalement. Oh, il y a une armée là. Défonçons-les. Alors attention, parce que là, il peut y avoir des gens qui viennent. Hein. Bon, là c'est bloqué. Il y a une petite merde, le Batani là, qui bloque les alliés de nos ennemis. Alors ici, il y a une flotte. C'est parti. Occupons-nous-en. Là du coup on peut traverser là. On peut complètement traverser. Par contre il va nous falloir un commandant. Non, l'armée de Fourneuf c'est que c'est la mauvaise. Hop, voilà, là on a des commandants partout. Ouh, ben dis donc par contre là, il y a les mecs qui sont énervés, 114 bateaux là. Faites quoi là? Ah vous repliez. Bonne idée. Ça me paraît plutôt judicieux. Allez, hop. Hop, hop, hop. Vous allez là, vous. La flotte de 64, elle va là. Ah, ici on a été coincé par... Bon, on va avancer du coup. Défaite! Bataille navale, diantre. Ah oui, c'est mes petites galères qui se baladent, qui souffrent un peu là. Et du coup, on va remonter. Alors attends, j'ai des séparatistes à l'autre bout du monde. Ouais, bon, on s'en fout, les armées géreront. Hop, rien à foutre. Allez, ici il faut débarquer. Et dès qu'ils ont débarqué, on y va nous aussi. Non, je veux les bateaux. Hop. Voilà, maintenant vous faites moins les malins. Vous en êtes où, vous? Vous y êtes presque. Allez, dès que vous y êtes, on va chercher les renforts. D'enchaînement d'événements négatifs, quoi. Je viens même de perdre de la stab, ce qui n'était pas arrivé depuis un siècle. Carrément depuis un siècle. Bah, oh oui, et puis ça doit vraiment faire un siècle en plus, pour le coup. Si on se reporte au jeu. Bah, à part le décès du dirigeant, bien évidemment, mais. Ah, mais il reste des trucs ici à prendre, j'avais pas vu. Ouh, la capitale qui insta-tombe, bah c'est parti du coup, il faut aller les rattraper parce qu'il y a des gens qui vont se battre là-bas. Ah, ici, on a besoin de nous. On a 130 bateaux là. Bah, demi-tour du coup, vu qu'on les défonce avec juste 78 bateaux contre 100, pourquoi s'emmerder? Colloque de Cambridge, plus 5% d'impôts.
Et plus de réputation diplomatique, bah écoutez, mais très très bien, très 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 bien. Hop, voilà, on retombe dessus. Ici on a un petit bateau qui glande. William Pitt le jeune. Hop là. On a perdu un siège. Ah mais putain, c'est vrai que j'avais oublié, mais on a des gens ici. Oh là là, quel con. Les mecs ils sont en train de s'occuper des rebelles alors qu'il y a le Vijayanagara qui est en train de les défoncer à côté quoi. J'avais complètement oublié. Toi t'es dans quel port? Si c'est bon, c'est là, c'est le bon port. Allez, prenez ça, et puis après toi tu vas là, tu vas débarquer en speed. Là par contre... Ouais, ils nous sautent dessus, on est d'accord, hein. Puis ils sont en nombre là. Allez, on va se faire défoncer. Bon là on va perdre. C'était prévisible, c'est pas hyper grave. Niveau nos stack wipe, hein, je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Même pas, ils s'en foutent. Ah bah si quand même, on est d'accord. Bon, on va perdre cette armée, c'est pas grave. Toi, tu fais rien. T'as sûrement moyen de faire des trucs un peu plus utiles. Et ici, on va essayer de s'occuper de tout ça. Bon, après, nous, réellement, ce qui nous intéresse, c'est de prendre tous ces trucs-là, au minimum. De toute façon, tant que le Vijayanagara sera aussi puissant, ils vont bicher. Moi, ça va, c'est en train de se calmer petit à petit. J'ai plus de rébellion en rouge, c'est que du jaune. La Prusse connaît son âge d'or. Et t'as pas de coalition qui pète, hein. C'est que vraiment ils flippent. Hein. C'est quoi le problème hein? Bah t'es là hein, quand même, ça doit un petit peu les... Oui, c'est vrai que ouais, c'est vrai que ça joue peut-être, ouais. J'ai qui contre moi? Ratisbonne, Passo, Congo, Russie, Venise, Milan, Ferrari, Mermingen, Nuremberg, Wurtzbourg, la Suisse, Mayence, Augsbourg, Strasbourg, les Ottomans et la Valachie. Ah ouais, ça fait un peu quand même. Hein. On va faire un petit peu de monde. Allez, on va prendre des stacks de 11, ça évitera de se faire contre-attaquer et on va aller s'occuper de tout ça. Ah mais ils sont en guerre contre moi aussi, mais depuis quand? Période difficile. Non, ça ira. Pas besoin de la Normandie. D'où tu vois une période difficile? J'ai un peu de mal avec ta période difficile. Allez, on va dépouiller ces éléphants. On va faire sortir ces bateaux. Une nouvelle... Ah, de quoi? Encore une nouvelle religieuse? Ah, le football! Encore du football? Allez, on accepte le football. Non, là je veux aller sur ce territoire-là, voilà. Ici on débarque ou on débarque pas là, putain. Quel bordel. Bon là il est en train de m'emmerder. On va assez vite... Ah mais putain, mais je suis paralysé parce qu'il a sorti ses bateaux. Le petit fumier, il est en train de me couler en plus ce con. Voilà, merci. Sans déconner. Non mais en plus, on peut débarquer là directement quoi. Cette perte de temps! Cette perte de temps monstrueuse. Oh putain, ils ont souffert nos bateaux, hein. Non, va falloir qu'on se replie. Hein. Le vaisseau amiral qui est à 11%, à mon avis...
Il a pas kiffé là. Théâtre anatomique. Non non, on prend l'innovation, non, pas de problème. Oh là là, pop-up de partout. Oh. Ouais, c'est juste l'enfer. Hein. Ah, il y a Pégou qui profite de la guerre. Bah écoute, fais donc ça. Ouais, non, par contre là, il nous faut du renfort là, parce que ça pique un peu. Mais comment ça? Ah putain, mais il y a l'autre qui nous coince là, sérieux. Ah, on commence à sentir quoi, le problème d'amiral là. Non mais à quel moment je peux pas passer? Enfin sérieusement. Pourquoi je peux pas passer? J'ai le territoire, j'ai la flotte, c'est moi qui ai le... Ah non, c'est juste à côté, putain le con. Il y a une petite ligne ici qui définit la mer de Java et le détroit de Lombok. Les petits coquins. Bon, bah cela étant, on va pouvoir arrêter l'épisode, du coup il est assez long. Puisqu'il y avait déjà un petit départ. 10 minutes, oui. Du coup on va s'arrêter là pour cet épisode, bon on se fait une petite guerre pépère, hein. On a perdu une armée, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé aussi, peut-être pas un siècle mais longtemps. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, je te laisse faire l'outro si tu veux. Yes, et ben merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour cette série, qui n'est pas finie, pas encore, on se rapproche mais pas encore. Et puis bah, on vous dit à la prochaine pour la fin de l'extermination européenne, enfin de ce qu'on peut encore faire en tout cas. Ouais, ça va se jouer. Et merci à toutes et à tous. C'est ça.